J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Ça fait un mois que j'attends les crayons. Parce que oui, hein, comme vous l'avez vu dans la miniature, ça va être un Happy Merle crayon aujourd'hui. Et je les avais vus sur une chaîne. Je vous dis pas tout de suite. On va l'ouvrir ensemble parce que sinon, vous allez savoir c'est quoi. Donc, on va l'ouvrir. On va garder le petit suspense. Je sais pas pourquoi que je me donne tant de misère à ouvrir ça en vidéo. Parce que vous savez comment je suis bonne pour ouvrir les colis en vidéo. OK, on va couper. Bon, je voulais vous montrer comment c'est bien emballé finalement quand ça arrive. Ben, on va dire que c'est ça. Ben, c'est important. C'est important parce que quand on achète des crayons, si ça arrive dans juste une petite boîte de carton, pas protégée, ben, des fois les crayons sont brisés. Bon, donc là, ces crayons-là, je les ai commandés sur Amazon Canada. Là, je vais faire du bruit, les amis. Je suis désolée, ils ont tout tapé ça. My goodness. OK, je vais faire beaucoup de bruit. Donc, je pense que je vais couper ici, sur le côté. Donc, je les ai pris sur Amazon Canada, mais c'est des crayons qui venaient de Chine. Vous avez le choix, ces crayons-là, que je vais vous montrer, hein. Soit vous les achetez sur Amazon Canada, soit vous les achetez sur AliExpress. Moi, je m'étais dit, si je les achète sur Amazon Canada, ça va aller plus vite que sur AliExpress. Non, ça a pris quand même un mois. Mais bon, je suis contente qu'ils soient arrivés. Je les ai suivis durant tout le mois. Ils ont été, je pense, 16 jours en transit. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est en transit, les amis? Est-ce que vous savez? Moi, je ne sais jamais qu'est-ce que ça veut dire quand ils nous écrivent ça. Je vais pas y arriver! Donc, ça, c'est un gros, gros papier à bulles, hein, les amis. Regardez-moi ça. On dirait un ballon. Et encore un autre protection. Donc, vraiment, super bien emballé. Très bien protégé. Donc, encore, on a un autre truc à enlever. On va le couper. Ce moyen colis. Donc, là, je vais vous dire, quand je vais les avoir ouverts, où est-ce que je les ai découverts, ces crayons. Ben, je les avais déjà vus. Je vais vous expliquer, mais je les ai vraiment plus découverts sur la chaîne de ma bonne amie Mélissa Art. Je vais vous montrer, tadam, les plus beaux crayons du monde entier. Je parle apparence, hein, parce que je sais pas ce qu'ils valent. C'est ça, ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Parce que, ben, j'espère que vous avez du temps, parce que vous savez que j'aime ça faire des vidéos longues. Et ben, aujourd'hui, on va faire le nuancier de ces crayons. Et on va aussi faire un colotest. Et j'ai choisi de prendre mon merveilleux livre de Gracia Salvo. Je l'adore, ça va être la première fois que je colore dedans, donc je vais l'entamer avec vous. Donc, ben, ça va être un speed coloring, bien sûr. Je vous écrirai au pire les numéros des crayons. Donc, ce sont les Phonix Color, les 100 couleurs qui viennent en boîte. Et là, attention, Zazou, de ne pas abîmer tes boîtes. Sinon, je vais pleurer pour la première fois en vidéo. Ouais. Donc, Mélissa m'avait dit, elle savait que j'avais acheté mes Phonix Minou et on va aussi les comparer, hein. Je vais vous montrer le nuancier des, vous vous rappelez, je vous avais montré les Phonix 72 couleurs avec le petit Minou. Et là, ben nous, ce qu'on se demandait, moi puis Mélissa, c'est est-ce que c'est les mêmes couleurs? Parce que dans les Phonix Minou, vous en avez 72. Alors, je vous montre les boîtes, hein. Ils se ressemblent. J'espère que non. J'espère que c'est pas les mêmes couleurs. Mais bon, même si ça serait les mêmes couleurs, je vais être contente quand même parce que je les adore, ceux-là. J'arrête pas de les utiliser. Vraiment super crayon. Je pense même me racheter une boîte. Ils sont tellement pas chers. En plus, sur AliExpress, par contre, les Minou, là, je les ai pas vus sur Amazon Canada. Donc, nous, ce qu'on se demandait, c'est est-ce que c'est les mêmes crayons? Donc, on va les comparer ensemble. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 petits coffrets que je n'arrive pas à sortir de là. Bon, je vais y arriver. OK, bon, là, les 5 petits coffrets sont tous emballés aussi. Je vais devoir les déballer. Et ben, je pense bien que ça va rester en coffret. Habituellement, je mets tous mes crayons en trousse, mais là, non, c'est trop beau. Faut que je laisse ça dans les coffrets. Je vais faire attention. Ça va être des crayons que je vais manipuler avec soin. Là, vous avez un petit nuancier. C'est ce que je suis en train de vous montrer. Mais bon, écriture asiatique partout. Donc,
pas très évident de se repérer. Donc, le coffret, je pourrais dire gris-noir. On a le coffret vert. Waouh, c'est tellement beau. C'est vraiment des crayons de collection. J'ai quasiment même pas envie de les utiliser. coffret rouge, coffret jaune et coffret bleu. Et lui, j'ai trop hâte de voir. Donc là, je vais toutes les ouvrir. J'y arriverai pas. Je vais prendre mes ciseaux comme ceci. Et en plus, le design des crayons, il est tellement beau. On va regarder aussi si, le diamètre de crayon est différent de celui des minous. Puis tout ça, on va tout décortiquer ça aujourd'hui ensemble. Donc, j'espère que ça va être une vidéo qui va vous plaire parce que ça va être long à faire. Oh! On a un petit aimant. Vous voyez? Je ne sais pas si vous l'entendez, mais il colle. Oh, c'est génial ça! Wow! Ils sont tellement beaux. Quand Mélissa les avait présentés, je capotais sur le design des crayons. En plus, ils sont tous différents. Je pensais que c'était toujours le même motif, mais non. Ils ont tout un motif différent. Je vais vous montrer. Bon, on est dans le coffret des jaunes et des ocres, d'après ce que je peux voir. Donc, lui, ça se trouve à être un genre de mandala, mais avec des serpents qu'il y a dessus. Waouh, vraiment, ils sont super beaux. Petit bémol, il n'y a pas de numéro et il n'y a pas de couleur d'écrit dessus. Ben, il doit en avoir, hein, comme ma copine disait, c'est juste que c'est asiatique. Donc, hein, pas évident de... Je le lis pas le chinois, moi. Ouais. Donc, bon, niveau diamètre, je vais chercher eux. Ben, je vais pas chercher ben, ben loin. Je les avais déjà préparé le coup, hein, les amis. Je les avais mis à côté de moi. Eux, je les ai mis en trousse parce que le carton qu'on a là avec le petit minou, il est bien beau, mais pas très pratique. OK, donc là, on va regarder. Ici, on a les minous. Ceux-là, c'est les 100... je sais pas, moi, j'ai comme envie de les appeler les dragons. Les phoenix dragons, parce que... Ben, dragons, non. Parce que ça, c'est un tigre. Ici, on a un genre de oiseau phoenix. On a un dragon. On a... Qu'est-ce que c'est, ça? Une genre d'oie. Et puis, lui, ben, on a un autre dragon. Bon, on va dire que c'est les phoenix sans couleur. OK, donc, même diamètre. Pareil, pareil, pareil. Même grosseur, les deux. Donc, après ça, ben, va falloir savoir est-ce que le nuancier est pareil. Mais ceux-là, par contre, c'est écrit en français, hein. On est capable de lire la couleur et le numéro. Et puis, ben, ceux-là sont pas mal plus dispendieux que les ceux avec les minous. Donc, on va voir. J'espère que c'est pas les mêmes couleurs parce que sinon, c'est de l'arnaque. Donc, voilà. Alors, le coffret de jaune, vraiment, ils sont trop beaux. J'ai quasiment même pas envie de les utiliser parce que je vais faire, je les aiguise. Ça va me faire de la peine. Ils sont tellement beaux. Ils ont tous un petit motif différent. Waouh, vraiment. Très, très beau crayon. Puis ici, on dirait le petit motif Versace. Je sais pas si vous le voyez bien. Est-ce que j'ai un focus? Oui. Voyez? Si vous connaissez Versace, on dirait que c'est le même motif. Donc, voilà pour le coffret de jaune. Et ben, c'est ça, comme Mélissa m'avait dit, elle savait pas si elle allait les laisser dans les petits livres parce que c'est comme un pochoir, hein? On peut rentrer nos doigts en dessous, voyez? Donc, puis en plus, c'est pas un carton épais, là. C'est pas du plastique, c'est vraiment du papier. Donc, je pense que si on les manipule un peu trop... Ça pourrait peut-être s'abîmer, mais bon, moi, je veux pas les mettre en trousse, donc je vais faire, va falloir que je manipule ça avec, avec délicatesse. OK, donc là, je vais rouvrir toutes les petites boîtes. Donc, je vais vous faire un peu d'avance rapide, on va s'économiser un peu de temps, et je vous reviens après. Bon, fini. En tout cas, niveau emballage, on peut pas se plaindre, hein? C'est très bien emballé. OK, donc, on regarde. Ici, on a... Wow! Les roses et les mauves. Oh, il y a vraiment des belles couleurs. La mine, elle a l'air petite, par exemple. Le crayon, bon, c'est un peu le même diamètre que Prismacolor, mais la mine n'est pas grosse, grosse, grosse. Ça, même un peu moins parce que, oui, c'est bien d'avoir des gros crayons, mais il faut que les mines soient un peu grosses parce que quand les mines sont petites, elles se diminuent plus vite. Mais bon, hein, c'est pas si grave que ça. Les verts. Oh, il y a des beaux verts.
On a des beaux verres d'eau ici, ça, cette couleur-là, j'adore ça, j'adore ça. Donc, j'ai vraiment hâte de faire le nuancier. Oh, wow! Des belles couleurs dans celui-là. J'adore ces petites couleurs-là. Ouais. C'est contente. J'ai gardé le bleu pour la fin. Oh, wow! Magnifique. Ils sont vraiment magnifiques. Et j'en reviens pas qu'ils ont fait un motif différent pour chacun des crayons. Ça a dû leur prendre une éternité. Bon, j'imagine que ça doit être des machines, mais quand même, c'est vraiment rare qu'on voit ça. J'ai bien beau prendre n'importe quel crayon, le motif, moi, ça m'impressionne. Regardez, là, c'est un poisson avec un genre de... Ah, un poisson puis une tortue. Celui-là, c'est quoi? Puis c'est toutes des écritures dorées. Ah, c'est un genre de une maison de la Chine. Ici, on a comme des genres de petites fleurs. Waouh, ce sont des beaux crayons, hein? Des crayons de l'amour, comme dirait ma copine Simone. Ça me fait rire quand elle dit ça. Bon, OK. Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait le nuancier, bien sûr. Hein? Là, comment je vais placer ça, je ne sais pas trop parce que je veux le laisser en bois. Donc, je vais commencer par faire les jaunes. Après, je vais faire les rouges. Je vais faire les bleus, les verts. Et je vais terminer par les noirs. OK. Donc, je prépare tout ce que j'ai besoin pour faire le nuancier. Après, on va comparer le nuancier de ceux-là et des minous, parce qu'ils ont le même nom, donc ça peut nous porter un peu à confusion. Et après ça, bon, on va faire un petit speed coloring ensemble. Je vais aussi vous dire, bon, s'ils sont gras, s'ils sont pigmentés, hein, tout le kit, on va tout regarder ça. Donc, là, je vais mettre mon nuancier un peu près de mes minous. J'aimerais ça qu'ils se suivent. Donc, vous voyez, les minous, c'est ceux-là. Ceux-là, là, sont vraiment, là, vraiment. Je vous dis, moi, je les adore, ces crayons-là. Je les utilise souvent. Ils passent vite, par exemple. Je trouve qu'ils diminuent vite, mais bon, c'est 30 $ sur AliExpress, là, hein. On va pas capoter. Puis ils se mélangent super bien, ils sont intenses, le nuancier est beau en plus. Dommage qu'on ait juste 72 couleurs, mais là, bon, hein, on peut pas tout avoir. Donc, ben, je vais utiliser cette page-là pour swatcher. Celui-là, c'est juste 48. Bon, je ne pourrais pas utiliser elle. Je vais utiliser celui-là. Si j'arrive, est-ce que... Ah ouais, vous voyez, je vais y aller comme ça parce que c'est numéroté de 1 à 100. Donc, ça va me faire déjà mes numéros. Vous voyez, c'est dans mon livre, là, mon super livre, qui est un cadeau d'ailleurs, hein, que j'ai reçu. Un, deux, ben, que je vais faire ça comme ça. Ils vont suivre, dans le fond. Moi, ouais, c'est ce que je vais faire. Faire les petits ronds. J'aime pas trop ça, moi, écrire ces crayons directement. Je sais qu'il y en a que quand il n'y a pas de numéro, ils mettent un. Soit ils l'écrivent au Posca ou ils mettent un petit papier, mais moi, j'aime pas ça. Donc, je vais essayer. Attendez donc une petite minute. On dirait que ici, c'est écrit. Parce que, vous voyez, on a quelque chose qui est écrit ici. Là. Ça doit être ce qui a rapport au crayon. J'imagine que ça, c'est le numéro, puis ça, c'est le nom du crayon. Mais il y a des numéros là d'écrit. Est-ce que ça ne serait pas les numéros des crayons? Mais là, bon, va donc savoir, pas évident de savoir quel crayon est quel, mais bon. Je vais essayer de les garder placés comme ça. Je ne vais pas les déplacer. Je vais vraiment les laisser comme ça. Ou je replace mon. Ouais, je serais peut-être mieux de replacer mes boîtes. Oh! Je voulais pas les déplacer. C'est parce que si je les déplace pas, puis que je les numérote pas, je ne saurais pas où c'est qu'ils vont. Puis comme je suis habituée avec un ordre, si. Oh, regardez, on a un petit sachet. Ils ont même mis un petit sachet, ouais. Sachet Donut Eat. Comme ça, on ne savait pas qu'il fallait pas manger ça. Mais bon. je pense que c'est pour garder la fraîcheur ou quelque chose de même. Mettre ça dans nos souliers. J'ai jamais su à quoi ça servait. Ouais, je vais peut-être replacer juste les trous, les boîtiers. Puis après, ben, comme ça, ben, je saurai comment les placer. My God, je sais plus parler quand je suis excitée. Ok, je vais mettre lui en premier. Lui là, celui-là, lui,
Ça, c'est plus orangé, donc je vais prendre lui. On va mettre lui. Des fois, je place ça, puis je place ça tout croche. Donc, je pense que je vais mettre celui-là. 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 Non, ça, c'est plus un peu verdâtre. On va l'envoyer pour faire la transition des beurres. Donc, toi, tu t'en viens. Je vais placer ça comme ça. Comme ça. Ah! J'ai oublié des... J'avais mis des... Ah! Oh! J'avais mis des couleurs de côté. Moi, là, replacer un nuancier, c'est toujours la galère. Je sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que je replace un nuancier, on dirait que je deviens un peu zinzin. Je place ça comme ça. Bon, je sais pas, hein, les bails, je serais peut-être mieux les mettre... Vous voyez, je suis comme ça quand je fais mes nuancées, fait que ça me prend une éternité. Donc, je pense que là, je vais placer lui avec vous, mais pour chacun des autres nuancées, je vais appuyer sur pause. Donc, vous le verrez pas, vous allez vraiment avoir juste voir un coup qui vont être faits. Lui, je sais pas où le mettre, on dirait que c'est du vert. Comment j'ai placé les crayons? Je ne sais pas placer. Je suis embêtée avec ces couleurs-là. Même que je pense que je vais faire ça comme ça. Je vais mettre comme ça. Après ça, je vais mettre lui. Non, pas lui. On va mettre lui. Et après, je sais que vous devez vous dire, j'aurais pas pu faire ça avant, ma semble. C'est économiser du temps. Ben non! Il manque un crayon. Voilà. Je vais placer ça comme ça. Lui, il a l'air plus foncé. Donc, je vais le déplacer. Ça là. On va finir avec les genres de rouge. Ben, je sais pas si c'est rouge, mais comme ça, et comme ça. Tiens. Ça a-tu de l'allure ou lui, il est bizarre placé là? Je sais pas. C'est pas grave. Je vais le laisser comme ça. Bon, là, c'est vrai, je commence le swatch. Je vais commencer par la boîte jaune. Je vais me mettre un peu croche comme ça, les amis. Et puis bon, j'ai rien à écrire. Je vais vraiment garder un. J'écrirai pas des couleurs, là, parce que je sais pas c'est quoi qui est écrit sur les crayons. Donc, c'est parti. Je vous fais de l'avance rapide pour ça, pour tout le nuancier. Je vais appuyer sur pause entre chaque boîte pour pouvoir les replacer, pour vous économiser de me voir niaiser avec mes crayons, même que lui, là, je sais pas, j'ai pas envie de le laisser là, parce que vous voyez ce que je fais. J'ai pas envie de laisser lui là, j'ai envie de le mettre ailleurs, lui aussi. Là, je terminerai avec des bruns. Comme ça. Lui, ben, vu qu'il n'y a pas trop rapport, il serait là. Lui ici, et après... comme ça, peut-être, je sais pas trop, là. Où je mets le... Vous voyez, je sais pas comment les placer parce qu'on dirait que c'est bizarre comment ils ont monté. Je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais mettre lui là, eux, ils vont suivre les oranges, comme ça. Et lui, il va s'en aller. Lui que je sais pas où placer. Là. Il y a comme un genre de couleur qui est comme plus vert que jaune. Donc, il va s'en aller ici. Tiens. Je vais placer ça comme ça, je pense. As-tu de l'allure ou ça n'a pas d'allure? J'aurais peut-être dû les laisser dans l'ordre. Je ne sais pas si je vais déplacer les autres boîtes. Je pense que je vais les laisser comme qu'ils sont parce que là, j'ai l'impression que j'aurais pas dû les déplacer. Et ça, c'est à moi. Mais là, décide, hein, comment tu vas les placer, les crayons, là. Comme ça. Puis ça va aller là. OK, je laisse ça comme ça, là. Ça suffit, niaisage. C'est parti, les amis, je vous laisse regarder le nuancier. Thank you.
Voilà les amis, j'ai terminé de swatcher. Là, je vais écrire hein, parce que j'ai pas écrit. C'était quoi la crayon? Si j'écris pas, je ne vais pas savoir moi. Oh, je vais écrire Phonix. Sans couleur. Phonix. Je regarde sur la boîte pour être sûr de ne pas faire d'erreur dans l'écriture. Couleur. Sans couleur. OK. Bon. Ce que je peux dire, c'est que leur nuancier est vraiment mal placé. Je comprends pas trop comment ils ont organisé leur gamme. Mais les couleurs sont super belles. Ils semblent être bien pigmentés. Et là, bon, je vous donnerai pas tout de suite mon impression à savoir comment ils travaillent sur le papier parce que c'est sur un papier Amazon et j'ai pas l'impression qu'ils aiment ce papier-là. Donc, c'est pour ça qu'on va faire des tests ensemble. Et on va aussi comparer avec les minots. Là, ça sera pas évident hein, parce que c'est dans le même livre. OK, avec les minots. Bon. On a le numéro 103 qui pourrait être le même que lui. Ensuite, numéro 104. Est-ce qu'on le retrouve? C'est le numéro 6 ici. Quasiment la même chose. De toute façon, je vais les prendre et on va faire comment? 106, numéro 8. En, ouais, c'est ça, ça, je vous l'ai dit. 105, ça serait le 7. J'ai l'impression qu'on va retrouver pas mal. Le 107, ça pourrait peut-être être le 9 ici. Après ça, si on regarde les bleus, vous voyez, le 141 ressemble au 42. Ou le 142, c'est le 42, peut-être. Parce que si je regarde le 143 et lui, le 44, sachant que je les ai déplacés un petit peu, ça se ressemble. OK. Donc là, ce qu'on va faire, hein, pour être sûr, parce que là, comme ça, c'est pas facile, on va prendre une feuille avant de faire le colo-test et on va tester ça. Donc là, je vais prendre une feuille qui a de l'allure pour un papier Amazon. Donc, je vais y aller avec cette image-là. J'avais imprimé en double. Mais je vais pas faire sur l'image. Je vais vraiment me mettre derrière parce que c'est mon papier que j'imprime tout le temps. Donc, on va regarder avec les Phonix Minot et les Phonix 100. Est-ce que ce sont les mêmes couleurs ou pas? Nous allons démystifier le mystère. Donc, je vous mets les petites boîtes ici. OK. Donc. On va s'en aller dans les bleus. Bleu, 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 la plus belle couleur du monde. OK, je vais essayer de trouver... je vais me fier quand même à mon nuancier parce que sinon je vais chercher... je vais chercher comme une folle. Où sont-ils? Je les ai déjà perdus. OK, ils sont ici. OK, donc là, je disais, moi, le... 143, ça serait lui. Et là, après ça, si je regarde dans mon nuancier des Phonix, ça c'est 143, OK. Donc là, lui, si je regarde mon nuancier des Phonix, il ressemblerait au 44. Donc, ça serait, on regarde avec les mines, lui peut-être. Si je regarde les deux mines, là, ça a l'air d'être pareil, ça. On va voir. Je vais pouvoir vous dire aussi si les Phonix chat et les Phonix sans couleur sont, ont la même texture. Les chats, moi, je les ai trouvés super gras, vraiment. Je vous dis, je les adore, ceux-là, les 72. Donc là, ça, c'est le chat. Et ça, c'est les 100. Vous voyez ce que je vois?
On dirait que c'est pas mal la même couleur, hein? Mon chat, on va vraiment appuyer là, pour bien voir la couleur. Mon Phonix sans couleur. J'ai l'impression que c'est la même couleur. OK, on en teste un autre. Regardez ceux qui sont semblables, là. Si je regarde avec les mauves, mettons. Je vais aller avec mon nuancier. Ce sera pas long, les amis, hein? C'est pas facile quand les deux pages sont. Ok, je vais aller avec le 134 des chats. J'ai l'impression que je l'ai dans l'autre aussi. Donc, 134 CCC. Comment j'ai placé ça, moi? Je les avais placés en. J'avais pas placé en ordre. Je pensais que j'avais placé en ordre, mais non. Ok, j'ai mis les mauves avec les mauves. OK, 134, là. Ensuite, si je regarde dans les Phonix sans couleur, j'ai l'impression que c'est lui. Peut-être pas, ou lui, peut-être. Parce que là, c'est pas facile. Ah ouais, ça va être le 60. OK, on regardait là. Ça, c'est le 134 des chats. Et là, bon, c'est pas lui. On sait que c'est pas celui-là. Ah non, il semble pas avoir la même couleur. J'ai pas l'air d'avoir ce mauve-là dans les sangs. Je regardais avec lui, mettons. Peut-être. Non. Celui-là. Non plus. OK. Ça, c'est bien. Donc, lui, ben, il a pas l'air d'être dans les chats. Dans les sangs, je veux dire. OK. On regarde les verres. On va regarder la boîte de verre. Là, je fais une comparaison assez rapide, hein. Je pense que je vais vraiment faire deux nuanciers sur deux feuilles pour pouvoir les mettre côte à côte. Parce que là, dans le livre, c'est pas évident de regarder ça comme ça. Mais là, il y a un verre que je trouvais qui ressemblait un peu. Il y a lui. On va sortir celui-là. Et je vais regarder. C'est mes verres préférés. Donc, je vais savoir. Donc, on va avec celui des 100 couleurs. Bon, au niveau texture, là. Attendez. Pour être sûr, là, je ne vais pas vous dire de niaiseries. Vous voyez, on dirait que c'est la même couleur. C'est la même couleur. Donc, celui-là, le Olive Green, là, 156, même couleur que celui-ci. Ensuite, celui-là, bon, c'est un peu des verres classiques aussi, hein, on les retrouve pas mal dans toutes les gammes. Voyez, même couleur. Donc, je pense qu'il va avoir des couleurs similaires. Si on regarde celui-là. Là, à chaque fois que vous voyez un crayon blanc, c'est les chats, hein? Donc, chat. Et sans couleur. Les Phonix sans couleur. Même couleur. OK. Donc, on a pas mal, d'après ce que je peux voir, il y a pas mal de couleurs qui se répètent. Ça doit être la même compagnie qui les fait, j'imagine. Ils viennent de la même boutique, hein, c'est Handstyle, les chats, puis ceux-là, là, si, même si vous les prenez sur Amazon, je pense que ça vient quand même de cet endroit-là. Vous voyez, même couleur encore. Donc, dans les verres, on semble avoir pas mal les mêmes teintes. Là, j'ai regardé, il y en avait un que je trouvais super beau, c'est lui ici. Je vais voir si je l'avais dans les chats. Peut-être pas, on va voir. Donc ça, c'est celui de 100 couleurs. J'ai l'impression que les chats sont un peu plus gras. Bon, c'est vraiment pas la même couleur. Les chats sont un peu plus gras que ceux-là. Mais bon, j'ai oublié de vous dire aussi, ils sont à base d'huile, les crayons. Les 100. Les chats aussi, de toute façon, sont à base d'huile, mais ils sont plus gras que ceux-là. Mais bon, moi, c'est pas vraiment quelque chose qui me dérange, que ce soit gras ou ben, faut pas qu'il soit trop sec non plus, là, mais non. Le beau verre d'eau, là, que je trouvais, on n'a pas l'air de le retrouver dans
Dans les chats, j'ai beau regarder, non. Donc celle-là, ça serait une couleur un peu plus unique au sang. Ensuite, est-ce qu'on a le genre de vert ici, là? Celui-là. Le genre de vert fluo, je suis sûre que je l'ai dans les sangs. Celui des seins est un petit peu plus pigmenté, mais ça se ressemble. Et ils vont vraiment mieux sur ce papier-là que le papier Amazon. Je vous confirme. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déplacé mon lancier. Ouais, donc il y a certaines couleurs qui sont ressemblantes, très ressemblantes, hein, comme vous avez pu voir, presque identiques. Donc là, je ne ferai pas toute la gamme au complet, là, mais on va regarder les rouges maintenant. Donc, on fait un peu les boîtes comme ça, là, rapidement. Tiens, ce petit rouge-là, est-ce que je semble l'avoir ici? Donc, Phonix Mino, Phonix 100. Plus pigmenté celui des 100. Mais bon, hein, ça se ressemble. C'est pas moi que ce serait lui. Non. Plus pigmenté celui-là aussi. Et j'ai pas eu non plus de crayons que, vous savez, des fois dans les gammes, on va avoir des crayons secs, des crayons gras. Non, ils étaient tous pareils. Donc, ça, c'est bien. Parce que moi, des fois, ça me dérange avoir, quand on a des gammes, puis. Que des fois on a les mêmes. Ben, pas les mêmes, mais que des fois, au travers des crayons, on a des secs, on a des gras, je trouve ça dérangeant. Donc, ça se ressemble. Mais. On dirait que lui est un petit peu plus pigmenté que celui des chats. On va regarder les mauves, tiens, un petit peu. Donc, vous pouvez voir, hein, il y en a pas mal qui se ressemblent. Mais bon, toujours plus intéressant, vous voyez, même couleur. C'est toujours plus intéressant d'avoir plus de couleurs, bien sûr, parce que dans ceux-là, vous en avez 100, dans les autres, vous en avez 72. Bon, il y a vraiment une différence de prix, là, mais ça va être à vous de décider ce que vous faites. Même couleur encore. Donc, ouais, il y en a beaucoup, beaucoup de couleurs qui se ressemblent. Il y avait ce petit rose-là, j'aimais bien aussi. Et j'ai l'impression que je l'ai sur l'autre côté. Oui, pareil. Ça doit vraiment être la même compagnie qui les fait, mais bon. Les crayons chats sont vraiment. Ben, pas vraiment. Il y a une petite coche un peu plus de gras sur les chats que sur les sangs. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tester. Donc, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de couleurs qui se ressemblent. Donc, si vous avez les chats, à vous de décider si vous allez prendre les boîtes comme ça ou, ben, si jamais vous voulez vous procurer les Phonix, ben, moi, je vous conseillerais plus ceux-là parce que vous avez 100 couleurs. Mais si vous avez envie juste d'avoir une petite nouvelle gamme, que vous avez beaucoup de crayons, peut-être plus y aller avec les chats au niveau prix. Et puis, ben, sachez que les chats sont un petit peu plus gras. Donc, hein, on va reprendre les chats. Mais je m'en doutais un petit peu parce que regardez les boîtes, là. Si on regarde, là, le minou, on a vraiment l'impression que ça vient de la même compagnie. Le design est différent. C'est sûr, ceux-là sont beaucoup plus beaux. Ça fait beaucoup plus joli avec les petites boîtes comme ça. Petit aimant, vraiment. Moi, je regrette pas. Même si les couleurs se ressemblent, c'est pas grave. Comme je vous dis, je voulais recommander ceux-là. Donc là, ben, en ayant les Phonix avec les couleurs de sang qui ressemblent à eux, ben, je pense pas recommander les chats. Si j'ai à recommander, je pense que je vais vraiment y aller avec les 100 couleurs parce que c'est toujours plus le fun d'avoir plus de teintes. Et c'est certain que vous avez quand même une trentaine de crayons, de plus. Que vous aurez pas les mêmes couleurs dans lui. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est la même base, même compagnie. Ouais, vraiment, parce que même à regarder les boîtes, là, on voit que c'est la même chose. Bon, petit bémol pour ceux-là, parce que, bon, vous avez pas. Oui, il y a sûrement des couleurs et des numéros d'écrit, mais c'est tout en écriture
chinoise, donc impossible à savoir, à moins que vous soyez capable de décortiquer le chinois. Moi, c'est pas mon cas. Tandis que sur ceux-là, ben, vous allez vraiment avoir un nom et un numéro d'écrit. Ils ont le même diamètre, la même diamètre de mine aussi. Donc, je vais vous laisser faire votre choix si jamais vous avez envie de vous les offrir. Mais je tenais quand même à faire une petite comparaison parce qu'on se posait beaucoup de questions. Moi, ma copine Mélissa, on se disait, c'est-tu les mêmes crayons? Puis Mélissa hésitait à se prendre les chats au début. Après ça, elle a dit qu'elle les prendrait plus. Donc, Mélissa, achète pas les chats si tu veux pas de doublons. Parce qu'elle a déjà ceux-là. Donc, ben, voyez, c'est un peu comme ça que je vais vous conseiller. Si vous avez déjà les chats, à moins que vous voulez plus de couleurs, vous pouvez vous prendre la boîte de 100. Mais si vous hésitez, vous voulez vous prendre des Phoenix, ben moi, j'irai avec la boîte de 100. Quand j'ai commandé les chats, je savais pas qu'il y avait une boîte de 100. Sinon, j'aurais peut-être pas pris les chats. Mais bon, je les ai, c'est pas grave. Comme je vous dis, ben, je voulais m'en recommander une autre boîte tellement que je les aime. Donc, ben, tant mieux, ça va me faire, si j'ai un crayon qui diminue, comme les, je vous dis, les minots, ils descendent super vite. C'est pas des crayons qui vont durer longtemps, je pense. Le reste à voir pour les Phoenix, sans couleur. On va le faire ensemble, le test. Donc, je vais vous revenir après le speed coloring pour vous dire, bon, ce que j'en pense, est-ce qu'il se mélange bien, les couleurs, est-ce que c'est intense, puis tout ça. Donc, on verra si si j'ai l'impression qu'ils vont durer plus longtemps que les minous. Donc, pour faire mon speed coloring, j'ai choisi d'entamer avec vous mon merveilleux livre qui m'a été offert par ma copine Colorphila, que je remercie de tout cœur, vraiment. Je capote sur ce livre. C'est un livre à chouchouter. Puis là, les amis, je vais faire un petit. Quand je vous l'ai présenté, j'étais tellement excitée que je vous ai présenté ça tout croche. Donc, je vais vous en reparler un petit peu. C'est un livre de Gracia Salvo, le Inktober 2020. J'ai regardé comme il faut la vidéo de ma copine Colorphila quand elle l'avait présenté. Et au début, ça devait pas être un livre de coloriage. Finalement, elle en a fait un livre. Bon, là, je vous explique rapidement parce que je vous mettrai la vidéo de Colorphila en barre d'infos. Parce qu'elle explique beaucoup mieux que moi. Donc, elle en a fait un livre finalement parce que les gens n'ont pas arrêté de dire qu'ils voulaient avoir un livre. Ils voyaient ses images passer, puis ils trouvaient ça super beau. Donc, elle a décidé de faire un livre. Et là, moi, quand je vous avais présenté ces livres-là, je vous avais dit que c'était les titres des dessins. Bon, c'est probablement ça, mais c'est plutôt qu'elle devait dessiner sur le thème qui est écrit. Donc lui, c'est les poissons. Bon, c'est tout écrit en anglais, hein? Mais bon, c'est pas grave. Moi, je vais traduire les textes ici. Et là, je vais peut-être écrire ce avec quoi j'ai fait le colo et la date. Donc ça va être le fun à regarder. Ça va me faire un peu comme un petit journal colorié en même temps. Et je vous avais dit que vous pouviez vous le procurer sur Etsy. Oui, vous pouvez vous le procurer sur Etsy. Mais j'ai regardé par après et j'ai vu Décomade. Donc, vous pouvez vous le procurer aussi sur Décomade, mais Décomade, je sais pas s'il livre au Québec. Donc, c'est pour ça, moi, que je vous avais dit Eddie. Donc, c'est un peu ça le petit correctif que je voulais apporter, parce que moi, je vous avais dit que c'était les titres, mais non, c'est vraiment qu'elle devait dessiner sur chacun des thèmes. Dans le fond, elle avait des thèmes et elle dessinait sur les thèmes. Et vraiment, il est tellement beau, ce livre-là, je vous dis, c'est un chef-d'œuvre, c'est une œuvre d'art. Donc, ben, je vais commencer par la première page. Je sais pas si je vais le faire dans l'ordre, hein. Je l'ai même pas ouvert. Je le trouvais tellement beau que j'avais même pas envie de peser sur mon truc pour l'ouvrir, mais là, pour colorier, au pauvre bel choix. Donc, ben là, comme je vous ai dit, ça va être un speed coloring, mais je ne pourrai pas vous mettre, bien sûr, les numéros à l'écran. Parce qu'il n'y en a pas. Puis j'ai pas l'intention de mettre. Là, je ne sais même pas comment je vais m'installer sur mon bureau pour faire le colo. Parce que les boîtes, hein, oui, je veux les laisser en boîte, mais c'est pas très pratique. Donc, je pourrais pas vous mettre les numéros à l'écran, bien sûr, parce que, bon, ils n'en ont pas. Ben, ils en ont, mais je peux vous l'écrire en chinois, mais je ne sais même pas si on a ça sur nos sur nos claviers. Puis mon mari va vouloir me tuer si j'ai dit t'écris les écritures chinoises. Donc, ben, vous allez voir un peu comment les crayons se travaillent, comment ils se mélangent. Et aussi, ben, si vous avez le livre de Gracia Salvo et que vous avez envie de reproduire le colo, ben, vous y allez avec des couleurs similaires. Ou si vous avez les Phoenix, ben, je pense bien que vous allez être capable de voir quand même.
Et on va faire un speed coloring parce que sinon, ça va durer une éternité. Vous savez, moi, je vous dis tout le temps, ah, ça sera pas long, mais là, j'hésite à faire lui. Parce qu'il y a une peau, les peaux, ça me prend trop de temps. Donc, ça, la vidéo va durer une éternité. Il faudrait que j'en choisisse un qui n'a pas de peau. De toute façon, des peaux, hein, j'en ai fait plein en vidéo. Donc, je pense pas que ça vous tente de revoir ça. On va choisir un qui n'a pas de peau. Je voulais commencer par le premier, mais le voyons, on a encore une peau. J'espère qu'il y en a qui n'ont pas de peau parce que sinon, je vais être obligée de changer de livre. Puis moi, ben, je voulais commencer par lui. Ah, je pense que je vais faire lui, mais là, lui aussi, j'ai une autre idée qui va prendre du temps. Parce que je veux faire l'effet de fumée, là, puis tout ça. Ça va être long à faire. C'est, ouais, j'ai peut-être pas choisi le bon livre pour vous faire dans cette vidéo-là, parce qu'il y a tout plein d'effets que j'ai envie de réaliser dans ce livre-là. Je veux vraiment prendre mon temps. Comme je vous dis, je le considère comme une œuvre d'art. C'est mon petit chouchou dans ma collection maintenant. Et j'ai vraiment envie de le terminer, ce livre-là. Ah, oh, je préfère ça. C'est pas trop long à réaliser. Là, on pensait quoi? Je vais quand même regarder pareil, là, pour être sûr. On fait... J'aurais dû décider ça avant. La petite souris, ça va me prendre du temps. Ça, j'ai comme pas trop d'idées pour l'instant de comment mettre en couleur. Ça va être très long. Faut pas qu'il y ait de la peau, faut pas qu'il y ait trop de détails. Ça aussi, ça va être long. La souris, ça serait un peu moins long. Mais je sais pas trop comment faire le cercle. Ma copine, elle a déjà terminé Colorfila. Ça, ben, vous verrez pas vraiment les crayons. Hein? J'ai hâte de voir comment ils vont se comporter sur ce papier-là. Ça va être vraiment un test complet de... dans le fond, je vais tester le papier du livre et les crayons en même temps. Peut-être pas une bonne idée, mais bon. Vous me connaissez, hein? Avec un Anna Carlson ou un Maria Troll. Mais j'aurais vraiment aimé faire ça avec vous, puisque ben, je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps, donc ça aurait fait une belle suite. OK, ben je pense que je vais y aller avec celui que j'avais dit. C'était lequel, là? Il était avant ça, hein? J'aurais pas le choix d'ouvrir mon livre. Je voulais pas peser dessus, mais j'aurais pas le choix, sinon il va pas rester ouvert pour colorier, parce que le papier, je vous dis, il est super épais. Vraiment, c'est une super belle qualité. J'avais dit lui, hein? À moins que je fasse quand même une poupée, là. Je sais pas! Je les trouve tout beaux, puis quand... Ça me fait ça souvent. Quand il y a un livre que j'adore, que je trouve tout beau dedans, je sais jamais, ça va me prendre une heure à choisir un colo. Bon, je passerai pas une heure avec vous à choisir mon colo, hein, je vous rassure. Mais des fois, là, quand j'ai un livre coup de cœur, là, ça peut me prendre du temps avant de me décider. Parce que j'aime tout, j'ai envie de tout colorier, donc j'arrive pas à savoir, bon, lequel que je fais. Ça serait peut-être pas pire. Ou ça. Il n'y a pas tant de peau à faire. Je vais m'amuser avec les couleurs dans le nuage. Ça va être un peu plus long. OK, je vais aller avec lui. Tiens, on va prendre lui. Je vais mettre des petites feuilles. Est-ce que j'ai des petites feuilles, moi, ici, pour le protéger? Je vais me faire une petite feuille pliée. Là, j'ai pas envie d'avoir une feuille qui déborde tout le temps. On va mettre ça là. Même si, bon, derrière, il n'y a pas de colo, mais j'aime bien quand même avoir une petite feuille, là. Si jamais j'appuie un peu fort sur mes crayons, ben ça... C'est la feuille qui va encaisser le ma marque de crayon plutôt que le colo derrière. Bon, OK. Donc, c'est parti, les amis. Je vous envoie la musique. Je vais essayer de faire de mon mieux pour faire quelque chose qui est beau. Je vais garder mon nuancier à côté de moi. J'ai tout serré. J'ai serré le nuancier. Donc, je vous laisse regarder ça. Je vous reviens après pour vous dire ce que je pense des crayons, comment ils se mélangent, puis tout ça. Et, ben voilà. Bon visionnement, les amis!
Bon, voilà les amis ce que ça donne pour le moment, hein, parce que là, ce qui arrive, c'est que, comme d'habitude, j'ai tout laissé en bas, bon, pour ce qui est stylo gel, Posca, puis tout ça. Donc, il me reste quelques petits trucs à faire, mettre du sticule, contourner certains trucs au Posca, refaire un peu les oiseaux, parce que quand on les accroche, comme vous allez pouvoir, j'ai fait mon fond au pan pastel, quand on les accroche avec le pan pastel, le noir, il devient un peu plus pâle, donc je vais les reprendre au Posca noir. Je vais tenter, je veux faire des rayons de soleil, donc je vais faire ça avec mon efface et une règle, donc je vais peut-être partir ici pour faire mes grands rayons de soleil. C'est l'idée que j'ai pour ce côté-là. Peut-être tapoter avec un peu d'or, hein. Vous savez, j'adore mettre de l'or dans mes colos. Je vais contourner mon nuage en blanc. Je vais peut-être repasser un peu le Prismacolor blanc dessus parce que le blanc des... bon, parce que pourquoi on faisait ça, hein? Bien sûr, revenons à ce qu'on faisait. Le blanc des Phonix Color, il est bien, mais il bat pas mon Prismacolor blanc. J'étudie le blanc des Prismacolor? Non. Le blanc des Phonix Color, il est bien. Quelques petites retouches à aller faire. Et bon, ce que j'ai à en dire pour ce que j'ai testé, ils se mélangent super bien. Ils sont pas super, super gras. Ils sont gras, mais pas comme un Prismacolor, mettons. Juste assez, juste correct, parce que moi, des fois, les Prismacolor, oui, je les adore, ces crayons-là, mais je trouve que des fois, ils sont un peu trop gras. Donc, pour faire les mélanges de couleurs, ça sature un peu plus vite. Je dis pas que ces crayons-là saturent moins ou quoi que ce soit, c'est pas ce que je dis. Mais, comme vous avez pu voir, j'ai réussi à faire beaucoup de couches quand j'ai fait mon soleil, puis je pense que j'aurais même pu en rajouter encore, donc il suffit juste de les travailler doucement, hein, parce que c'est des crayons à l'huile. Donc, qui dit crayon à l'huile dit couche par couche. Et moi, j'adore colorier de cette façon-là. Donc, là, il y a un petit quelque chose qui me dérange dans mon fond. J'adore colorier de cette façon-là. Donc, moi, vraiment, je vous les recommande parce que c'est vraiment des super beaux crayons, des belles couleurs. Vraiment, j'ai que du positif à dire pour le moment. Bon, peut-être je vous en reparlerai plus tard, mais pour l'instant, je suis vraiment satisfaite. Je regrette pas mon achat, même si dans les minous, j'ai des doublons, comme on peut dire, hein, parce qu'il y avait plusieurs couleurs qui se ressemblaient. Bon, ça me dérange pas vraiment. Je pense que ben, je recommanderai pas les petits chats. Je vais plutôt, quand j'aurai terminé, ben, recommander une boîte comme ça risque pas d'être tout de suite parce que je pense pas qu'ils vont passer vite. Bon, j'ai pas appuyé dessus. J'ai appuyé un peu ici sur le bleu. La mine s'écrase un petit peu, mais bon, j'ai déjà vu pire. Donc, je pense que ils vont quand même durer dans le temps si on les travaille couche par couche. C'est sûr que si on appuie sur les crayons, ben, ils vont diminuer plus vite. Hein? C'est ça. Donc voilà, alors ben, je vais vous le remontrer bien sûr, ce colo-là, dans mes coloriages terminés du mois. Parce que comme je vous dis, j'ai d'autres petits effets à faire que là, ben, je peux pas faire ici parce que tout est resté en bas et j'ai pas envie d'aller tout chercher. Parce que là, je vais continuer d'aller colorier au salon. Je pense même que je vais me faire un autre dans ce livre-là. J'ai adoré le mettre en couleur. Le papier de ce livre-là est génial. Les crayons glissaient tout seuls dessus. Ouais, vraiment, je suis trop contente. Donc, vraiment, si vous avez envie de vous procurer les petits Phonix Color, merveilleux crayons, super beau, emballage beau, vraiment, que du positif à dire pour le moment. Long à arriver, par contre, si j'aurais quelque chose de négatif à dire, ça serait ça. Sont longs à arriver, ça a pris un mois, même si je les ai pris sur Amazon. Donc, vous pouvez soit les prendre sur AliExpress. Là, je fais du bruit, les amis, parce que je ramasse en même temps que je vous parle. Ça va être l'heure de souper chez moi, donc j'essaie de faire ça, Pierre d'un coup. Il faut que j'aille préparer le souper. Donc, ouais. Ben, vraiment, soit AliExpress, soit Amazon. Bon, c'est sûr, ils sont plus chers que les minous, hein, mais vous avez 100 crayons. Dans les minous, vous en avez 72. Donc, je vous mets tout ça en barre d'infos. Je vais vous mettre les minous aussi, même si je les ai déjà mis, mais bon, je vais vous les mettre quand même. Je vais vous mettre le livre de Gracia Salvo, vraiment super beau livre. C'est un gros coup de cœur.
Je l'adore, ce livre. Je vais vraiment bien l'avancer parce que, comme vous allez pouvoir, j'ai réussi quand même à faire un colo. Bon, ça a pris à peu près 3 heures. Là, pour vous, je pense pas que la vidéo dure 3 heures. J'espère que non. Mais avec l'avance rapide, ça devrait, on devrait gagner du temps. Donc, un petit 3 heures à peu près pour faire le colo. Peut-être même pas. Peut-être un petit 2 heures. Mais je veux vraiment prendre mon temps à réfléchir à ce que je fais dans ce livre-là pour que ce soit quelque chose. Ben, je sais pas, j'ai envie de le faire tout beau. Donc, ben là, je vais aller faire mes petits rayons, rajouter mon sticule, contourner au Posca et je vous remontrerai ça à la fin du mois. Et bien sûr, je vais aussi continuer d'aller tester les phoniques. Je vais les tester dans un Anacardion, dans Clara Markova. Je vous montrerai ça à la fin du mois, ce que j'ai fait avec, et ben, je vous en reparlerai. Mais en tout cas, à froid, là, présentement, là, je suis très, très contente. Et vraiment, moi, je vais les laisser comme ça, en petit case. J'aime bien le design. Je vais juste faire attention à mes petits dessus. Mais bon, que du positif pour ces crayons. Vraiment, super contente. Donc, j'espère que cette revue Phonix, qui a duré une éternité, vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de les prendre. Est-ce que vous avez déjà acheté les chats? Dites-moi tout. Est-ce que vous aimez le livre de Gracia Salvo aussi? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous avez envie de vous le procurer? Dites-moi tout ça va me faire super plaisir de lire ça. Et avant de vous quitter, quelque chose que j'ai oublié, je vais vous dire les teintes de pan pastel que j'ai utilisées. Pour le bleu foncé, c'était le 560.1 Fantalo Blue Extra Dark. J'ai utilisé le Fantalo Blue 560.5. J'ai aussi utilisé le Ultramarine Blue 520.5. Et pour les teintes de jaune-orange, c'était pour la plupart le Hansan Yellow Tint 220.8. Le jaune un petit peu plus soleil, hein, pas mal plus soleil, ouais. Diarylide Yellow 250.5, ainsi que le orange qui était 280.5. Donc voilà les amis, ça complète cette vidéo-ci. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque colo de Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Et ben, si vous avez envie de voir le colo avant la fin du mois, je vais probablement aussi le poster sur mon Instagram. Donc, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.